Sur Kiwa, je suis success manager. Euh, mon rôle consiste donc à vous accompagner dans l'utilisation de la solution. C'est ce que je vais faire aujourd'hui avec vous. Euh, Jusqu'à environ 11h30, 11h40. On se permet de, de dépasser un petit peu pour pouvoir répondre à, à toutes les questions. Avant tout, je vous propose de faire un petit point logistique par rapport à l'outil de webinar que l'on utilise qui est Zoom. Sachez que vos micros sont éteints, ce qui veut dire que ni moi ni le reste de l'audience ne peut vous entendre. Euh, pour communiquer, je vous invite donc à utiliser la fonctionnalité conversation, chat de Zoom. Euh, D'ailleurs, euh, à ce sujet, je vous invite à écrire vos messages euh, en envoyant à tous les conférenciers et à tous les participants, c'est une petite option que vous voyez dans la fenêtre de conversation. Ça permettra tout simplement à mon collègue Alban qui est présent de pouvoir répondre à vos questions en direct. Euh, sachez aussi que cette session est enregistrée, euh, ce qui signifie que vous la retrouverez sur YouTube très prochainement afin de, de la revoir ou tout simplement pour la partager à un collègue qui n'aurait pas pu participer. On vous adressera un, un email avec le lien vers cet enregistrement euh, dès qu'il sera en ligne. Euh, mon collègue Alban, comme je le disais, répondra à vos questions. Donc, surtout, utilisez le chat en envoyant vos messages à tous les conférenciers et les participants. Ça lui permettra de lire vos questions. Sinon, n'hésitez pas à utiliser aussi la fonctionnalité de questions et réponses. Et pour conclure, eh bien, sachez qu'il y aura des sondages tout au long de ce webinar, Et d'ailleurs, je vous propose de lancer un premier sondage qui va nous servir de sondage de test, mais qui va aussi me permettre de faire connaissance avec vous. Donc, le sondage est lancé. Je vois que certains d'entre vous y répondent déjà. La question est la suivante. Parmi les solutions euh, qui vous sont listées, laquelle utilisez-vous le plus pour créer des contenus de formation digitale à l'heure actuelle Alors, Vous avez le choix entre les plus connus, Adobe Articulate, euh, euh, etc. Euh, vous avez le choix aussi avec euh, Edmil, euh, PowerPoint ou aucun euh, si euh, vous ne faites pas de e-learning pour l'instant et que vous cherchez une première solution. Euh, donc je vous invite à répondre. Ça permettra un petit peu de, de casser la glace, j'ai envie de dire, en, entre nous euh, et de faire un petit point. Alors habituellement, pour parler un petit peu de ce sondage, puisque ce webinar on le fait assez régulièrement on a toujours énormément de, de, de réponses très très, très diverses et très très différentes euh, mais c'est vrai que là, il y a quand même une tendance, encore une fois, qui se, qui se confirme par rapport à ce que l'on a habituellement. Je vais vous partager le sondage. Euh, ce sera quand même beaucoup plus simple. Là, voilà, je l'ai partagé. Euh, très clairement, une grande majorité d'entre vous utilise PowerPoint, donc c'est-à-dire pas un outil à proprement parler de création de, de formation e-learning. Euh, et beaucoup d'entre vous euh, n'en utilisent pas. Voilà, tout simplement. Euh, c'est une tendance qu'on a vue sur les derniers euh, derniers webinars. Euh, ah, euh, très bonne observation de Christelle qui dit que ce n'est pas possible de, de choisir plusieurs options. L'idée, c'est vraiment euh, de, de dire euh, lequel vous utilisez le plus, hein, vraiment, pour créer des contenus de formation digitale. Donc là, on voit que c'est PowerPoint. En tout cas, ce sondage, il est euh, quand même euh, très, très intéressant euh, parce qu'il démontre bah, qu'il y a beaucoup d'outils, euh, que ça peut être assez euh, difficile, en tout cas, de, de s'y retrouver. Euh, quand on ajoute ça, on peut plus à un, à un marché qui euh, qui est en constante mutation, hein, j'ai envie de dire, avec pas mal de, de régulations, Calliope qui arrive en 2022 maintenant, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et c'est donc vraiment dans ce contexte en fait que qu est, est né. Euh, Edmil est très jeune. Je ne sais pas si vous le savez, mais il a fêté ses deux mois euh, le 20 mars. Euh, néanmoins. Eh c'est vraiment à des challenges existants et puis qui sont très ancrés dans le marché de la formation qu'Edmil tente de, de répondre. Alors, je pense sincèrement que si on souhaite bien prendre en main euh, l'écosystème euh, et d'en devenir, je l'espère, un expert, euh, c'est important d'en saisir la philosophie, j'ai envie de dire, la portée aussi qu'il souhaite donner à la création de formation digitale et puis voir en, comment il se différencie bah, de, de PowerPoint et, et ce genre de choses. Euh, et pour ça, en fait, bah, je, je vous propose tout simplement de, de faire une… Petit point sur l'origine et la genèse de, My, de Edmil. Euh, Edmil. est donc une création de My Serious Game, qui est leader français de la formation digitale. Euh, je le disais, donc Edmil est jeune, il n'a que deux mois, mais My Serious Game est un petit peu plus vieux que ça. My Serious Game existe depuis cinq ans, et Edmil s'est vraiment construit et s'appuie sur l'expérience de My Serious Game. Pour vous fournir une méthode de création et de diffusion aussi de contenu de formation digitale qui a été éprouvée en fait hein, dans, dans les centaines voire même les milliers, j'ai pas les chiffres exacts, de projets euh, de formation digitale que My Serious Game a pu délivrer pendant ces euh, plus de, de cinq années d'existence. Mais Edmil ne s'arrête vraiment pas là dans cet objectif, j'ai envie de dire, d'éprouver la, la méthode euh, puisque My Serious Game a travaillé en fait avec l'AFNOR qui est notre organisme de certification et de normalisation nationale pour définir et certifier une méthode de formation euh, digitale. Et cette certification, eh c'est la première de ce genre. On est vraiment très fiers au sein de My Serious Game de l'avoir reçue en premier. Euh, je dis bien en premier parce que d'autres vont suivre. Hein. Elle est vraiment ouverte à tous les acteurs du marché. Euh, et en tout cas, on est vraiment heureux qu'Edmil s'appuie sur cette méthode qui est innovante, je le disais, euh, mais qui est aussi éprouvée. Et c'est vraiment ça le plus important. Alors, comment est-ce que ça se met en place dans Edmil eh vous voyez à l'écran une jolie tulipe. Moi, je vous propose de ne pas trop s'attarder euh, sur du PowerPoint. Vraiment, mon objectif en tant que CSM, c'est de mettre les mains dans le produit, de vous montrer comment ça fonctionne. Et aujourd'hui, ce que je voudrais faire avec vous, bah, c'est tout simplement euh, boucler la boucle euh, complètement sur, la, sur ce que propose mille et de voir en détail euh, ce qu'il fait, comment est-ce que la création de contenu de formation digitale se fait, comment cette diffusion se fait et comment l'analyse euh, se met en place aussi dans l'outil via une démonstration euh, live. Voilà, c'est parti. Je passe dans Edmil très rapidement. Et là, à présent, vous voyez mon environnement Edmil. Environnement Edmil, donc, qui est un environnement de test que j'ai créé euh, très récemment. Donc, la première chose que vous avez lorsque vous vous connectez, c'est que vous êtes accueilli par une euh, série de vidéos de, de prise en main. Euh, qui s'appelle Découverte d'Edmil. Ce sont des vidéos vraiment très très simples, très très courtes. Il n'y a pas de bande sonore. Euh, donc si vous allez dans Edmil juste après ce webinaire et que vous regardez ces vidéos, ne mettez pas, ne cherchez pas le son ou quoi que ce soit, il n'y en a pas. Euh, c'est simplement visuel. Donc l'objectif c'est de vous guider vraiment à pas dans le parcours j'ai envie de dire et dans cette expérience de création de diffusion et d'analyse euh, des formations e-learning euh, Edmil. donc on commence tout simplement par découvrir l'interface configurer son module etc etc donc ces vidéos là vous les avez lorsque vous vous connectez si vous quittez et que vous souhaitez les revoir vous pouvez les retrouver dans le portail d'aide qui est ici en bas à gauche et découverte d'edmil et vous pouvez reprendre ces vidéos-là. Ces vidéos-là sont enrichies euh, régulièrement. Euh, je viens d'en produire une euh, il n'y a pas très longtemps. Elle va être mise en place dans les prochains jours, prochaines semaines. Sa euh, vie, il y a toujours de la nouveauté. Et vous avez aussi un guide de prise en main. Euh, lorsque vous cliquez sur Aide et devenez un expert Aide 1000, ce guide de prise en main, en fait, va reprendre encore une fois tout le parcours de création, diffusion euh, et analyse, euh, étape par étape. Sous la forme de transformer, former, performer, qui est vraiment le motto euh, d'Edmil. Et je vous invite très sincèrement à découvrir ce guide qui vous permettra de prendre Edmil en main de la meilleure manière qui soit. Voilà. Donc, on va se plonger dans l'outil. On va commencer euh, directement euh, par euh, la création, tout simplement. Donc, Edmil, on a ce bandeau latéral qui est sur le côté gauche. Celui-ci est persistant. Il est toujours là, où qu'on soit dans l'application. Donc, je clique sur création. Là, nous sommes bien sur une vue administrateur et créateur de contenu. Vos apprenants n'ont pas cette, euh, cet environnement-là. On va le voir un petit peu tout à l'heure. L'environnement est différent pour les apprenants. Donc, tout est guidé. Hein. Vraiment, le conseil, l'accompagnement est très important pour nous euh, sur Edmil. Euh, lorsque vous allez dans, dans création, vous avez un premier configurateur. Vous allez définir le type de formation que vous souhaitez pour votre module. Là, on va créer un module de formation. Euh, ceux qui sont formateurs sont très à l'aise avec l'idée de savoir théorique, savoir appliqué, savoir conceptuel ou évaluation. Pour ceux qui utilisent EMI mais qui ne sont pas vraiment formateurs de métier, vous êtes accompagnés et on vous explique lequel choisir. Je vais choisir savoir conceptuel, d'accord Et à partir de là, dès le début, je vais pouvoir définir mes objectifs de formation. Les objectifs de formation, pour ceux qui sont formateurs, encore une fois, c'est extrêmement crucial parce que c'est ce qui va définir la trame de votre formation. Ce sont les objectifs que vous avez pour vos apprenants. Les apprenants vont voir ces objectifs, ils vont pouvoir s'auto-évaluer selon ces objectifs. J'ai envie de dire que si on définit des objectifs qui sont clairs, qui sont bien définis, on va favoriser, j'ai envie de dire, euh, la réussite, entre guillemets, de, de la formation. Donc, pour définir ces objectifs, on va se baser sur la taxonomie de Bloom, encore une fois, qui est très connue, très connue euh, des formateurs qui sont, euh, qui sont parmi nous aujourd'hui. Donc tout simplement, j'ai choisi une formation euh, de type savoir conceptuel. Euh, elle me donne accès donc à des verbes de la taxonomie de Bloom de niveau 1 à 6. J'ai vraiment tous les niveaux euh, ici. Donc je vais faire vraiment un test pour faire comprendre aussi à ceux qui ne sont pas formateurs ce que l'on entend par là et puis euh, quelles sont les, les bonnes pratiques à ce niveau-là. Euh, je vais choisir euh, voilà, un petit exemple qui vient à l'esprit de mon objectif général. Mon objectif d'information, c'est d'apprendre aux gens à composer une dissertation. D'accord Donc, c'est mon objectif principal. On voit que mon objectif est en bleu. Le, le bleu, c'est ce qui correspond du coup euh, à la synthèse et l'évaluation qui se rapportent au type de formation savoir-conceptuel. On est vraiment sur des verbes de ce qu'on appelle de niveau 5-6. Euh, à partir de là, je vais définir des objectifs pédagogiques et que je vais suivre du coup euh, dans ma trame de formation. Euh, et là, je vais monter le niveau très légèrement. Donc je caricature, je caricature, mais ça permet vraiment de comprendre à ceux qui ne sont pas forcément à l'aise avec la taxonomie de Bloom. Donc si mon objectif est de composer une dissertation, je vais commencer avec un objectif intermédiaire de plus bas niveau, j'ai envie de dire, euh, et qui va être, euh, imaginons, là je, je caricature encore une fois, hein, qui va être déjà dans un premier temps de mémoriser euh, l'alphabet. Sans faute d'orthographe, c'est mieux. Et on va se fixer un deuxième objectif hein, qui va être bah, d'écrire... Euh, écrire, écrire, il est là. Écrire une phrase. Voilà. Donc l'idée, c'est que nos objectifs intermédiaires servent à accompagner l'apprenant jusqu'à atteindre cet objectif principal. Voilà. Alors à ce sujet, j'ai une petite question d'ailleurs euh, pour vous. Je voudrais savoir en fait si cette étape... Euh, le choix des objectifs basés sur la taxonomie de Bloom est essentiel pour l'élaboration de votre formation digitale. Donc, je lance le sondage, je vous laisse y répondre tranquillement. Après, on va pouvoir repasser à la démo. Donc, je vous laisse me dire voilà, simplement si c'est important pour vous de définir des objectifs pour votre formation, si c'est dans, dans l'application. Puis, je pourrais rebondir selon, selon vos retours pour expliquer un petit peu en quoi ça peut être important. Alors, je vous remercie d'avoir voté. Je vais mettre fin au sondage pour euh, gagner un petit peu de temps, parce qu'il est déjà 11h17. Euh, 11 Hop, mettre fin au sondage. Alors, juste euh, un petit détail, je vous invite vraiment à, à, à mettre euh, vos conversations, euh, vos questions de discussion dans, le, dans la fenêtre de chat de Zoom à bien choisir, envoyer à tous les conférenciers et à tous les participants, ça permettra à mon collègue Alban de vous répondre en fait et de discuter avec vous. Euh, tout simplement, il n'a pas accès aux messages qui sont simplement envoyés aux conférenciers. Alors, je partage les résultats avec vous. Euh, donc, vous êtes une majorité à dire plutôt oui ou absolument. Pour vous, la taxonomie de Bloom est, est, est vraiment très importante. Euh, vous avez, vous êtes deux et un, donc trois à dire que ce n'est pas important pour vous. Trois autres personnes à dire que vous ne savez pas. C'est assez important parce que euh, ces objectifs, en fait, ça va permettre réellement, comme je le disais tout à l'heure à l'apprenant de s'auto-évaluer. Euh, si vous choisissez le mode accompagné, on va en reparler tout à l'heure, vous avez la possibilité d'avoir un protocole de suivi et un de ces protocoles de suivi, c'est une grille d'auto-évaluation. Donc si je reprends euh, les objectifs que j'ai fixés là dans, mon, dans, mon, dans ma démo, euh, qui sont euh, maîtriser l'alphabet, euh, savoir écrire une phrase et savoir composer une dissertation, à la fin en fait de sa formation, euh, l'apprenant à la fin du module pardon, l'apprenant va pouvoir s'auto-évaluer et dire voilà aujourd'hui je considère que euh, je suis capable de composer une dissertation, de faire ceci et il va définir dans quel pourcentage et en plus cela va être euh, transmis en fait et partagé avec son manager ou à la personne qu'il va, euh, qui va, euh, qu va définir en tant que, en tant que tel. Donc c'est vraiment toute l'importance j'ai envie de dire de ces, de ces objectifs là puisque non seulement ils constituent entre guillemets la trame la formation mais en plus de ça c'est un petit peu là dessus qu'on va enfin c'est même complètement là dessus qu'on va juger si l'apprenant a appris quelque chose durant durant le module euh, voilà donc je reviens dans la démo euh, à partir de là on va choisir les supports donc les appareils sur lesquels les apprenants vont suivre la formation. Il faut savoir que Edmil euh, se traduit automatiquement selon l'appareil le, euh, le, euh, qu'on utilise, donc smartphone, tablette euh, ou ordinateur. On va, on va regarder ça. Je clique sur Suivant et à partir de là, vous voyez que j'ai la possibilité d'être accompagné ou de ne le, pas l'être. Je vais choisir d'être accompagné pour cette démo. Et en fait, ce que va faire l'accompagnement, c'est qu'il va me définir des chapitres et il va me proposer en fait une structure pour mon module de formation. Donc, à partir de là, je vais lui donner un titre que je vais appeler test. Je peux lui indiquer une description. Je peux y mettre une étiquette. Voilà, tout simplement, pour pouvoir les retrouver plus facilement. On a un rappel des objectifs. Je peux les modifier euh, si je le souhaite. Et comme vous pouvez le voir ici, alors, je peux ajouter un, un visuel aussi à ma, à ma formation. Euh, hop, je vais choisir dans ma bibliothèque. Alors, ce visuel est très important parce que l'apprenant va le voir aussi, lui, dans son, dans son côté apprenant. Hein, C'est vraiment, vraiment important. Voilà. Et à partir de là, vous avez donc une série de chapitres. Et comme je le disais, vous voyez, il y a des protocoles de suivi qui sont proposés sur ce chapitrage-là. Voilà. On peut en désactiver certaines, mais d'autres sont systématiques, j'ai envie de dire, dans le mode accompagné. Voilà. Donc, je vais enregistrer et continuer. Mon module est configuré. Il est enregistré. À partir de là, si je sors, que je quitte Edmil, je pourrai toujours le retrouver dans ma bibliothèque. Et là, je suis dans ce que l'on appelle l'outil de création. Dans cet outil de création, ceci est mon module. Je vais créer mon module activité par activité. Une activité entre guillemets, pour faire l'analogie avec euh, avec PowerPoint, euh, c'est comme une diapositive en fait, d'accord euh, Donc là, vous voyez, Edmil me propose en orange de commencer en introduction. Par une activité, une diapositive euh, de type informé. D'accord euh, Je clique sur Informer. Edmil me donne des informations par rapport au format de l'activité en question. Je vais dans Type d'activité. Et à partir de là, je peux choisir le type d'activité. Je peux choisir une image, du texte, de l'audio, une vidéo, etc. Un texte en accordéon. Voilà. Et à partir de là, vraiment, je suis dans la conception de mon activité. Euh, toujours en, pour vous accompagner et vous donner quelques conseils, euh, dès le début on peut voir que Edmil pour ce type d'activité, c'est toujours dans le contexte. Euh, là, j'ai choisi euh, des blocs. Hein, euh, Edmil me dit que proposer plus de trois blocs de texte réduit la pertinence de l'activité. Donc non seulement on accompagne ceux qui ne sont pas forcément formateurs, mais en plus de ça, euh, on accompagne ceux qui ne sont pas forcément à l'aise, on va dire, avec la création de contenu e-learning, en vous donnant des bonnes pratiques issues de nos recherches donc en sciences cognitives. Euh, et ces conseils vraiment sont partout. Euh, dès le titre, par exemple, là, si je commence à, à taper un titre et que je m'enflamme un petit peu, vous voyez, il m'indique bien qu'au-delà de caractères, la lisibilité de ce champ est compromise. Donc ça, c'est juste un conseil, mais après il y a une limite, ce qu'on appelle une hard limite. Euh, et là, je peux aller jusqu'à 60 caractères maximal. Mais vraiment, on a voulu donner des conseils. Partout pour faire en sorte que vos modules de formation soient les plus efficaces possible. Au niveau des instructions, on va recevoir les mêmes limites et même à l'intérieur, je dirais, de chaque activité, on va avoir exactement les mêmes. Donc là, je me permets simplement de continuer. J'attire juste votre attention ici, vous voyez, euh, sur la partie gauche, pour cette activité-là, euh, la barre de progression était remplie à 50% et maintenant elle est remplie à 100%. D'accord Allez maintenant elle est remplie à 100%. Ça veut dire que cette activité est prête. À partir du moment où l'activité est prête, je peux en, soit en créer une autre, toujours dans le même chapitre, en cliquant sur ajouter, ou sinon je peux passer au chapitre suivant. D'accord Donc je peux, je peux supprimer les activités comme je le souhaite, je peux les bouger comme ça à l'intérieur du chapitre en cliquant dessus et en les déplaçant. Et à partir de là... Donc, à partir du moment où elle est remplie à 100%, je peux la prévisualiser. Donc, je vais vous montrer un petit peu la prévisualisation, comment ça fonctionne. Ça vous permet de voir en fait comment l'activité va apparaître pour votre apprenant, tout simplement. Donc là, bon, j'ai mis euh, un petit peu n'importe quoi à l'intérieur, hein, comme vous avez pu le constater, mais c'est pas grave. Je vais vous montrer tout à l'heure un, un, un module beaucoup plus propre et, et, et plus réaliste. Mais voilà, à partir de là, vous pouvez voir votre module et comment euh, est-ce qu'il apparaît. Donc vous créez vos activités tout simplement au fur et à mesure. Une dernière note par rapport à l'outil auteur, à l'outil de création, euh, l'enregistrement est automatique. D'accord Il n'y a pas de bouton enregistré. À partir du moment où vous remplissez une activité et que vous passez à une autre, l'enregistrement est automatique. Donc là, si j'abandonne euh, tout simplement mon module, voilà, je vais aller dans bibliothèque, il est enregistré et c'est dans la bibliothèque que, que, je, que je vais le retrouver. Donc il est là, test en brouillon. Je clique sur les trois petits points, je peux éditer et je reviens dedans. Voilà. Il est enregistré à tout moment. Vraiment, a... c'est très, très fluide. Donc celui-ci, je n'en ai pas besoin. Je vais le supprimer. Et j'avais donc préparé en, en, en prévision de ce webinaire un, un module qui s'appelle Customer Success Manager, Kesako. Celui-ci est publié, ça veut dire qu'il y a une session, et je vais vous montrer comment on fait. Lorsque vous cliquez sur les trois points, vous avez quand même la possibilité de le lancer. Donc là, vous pouvez le lancer en mode administrateur, en mode créateur de contenu pour voir à quoi il ressemble. Donc là, il faut bien que le module soit terminé à 100% hein, pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité-là et pour pouvoir le contrôler. Je vais fermer. Donc, la question que vous vous posez maintenant, c'est très bien, bon, on a créé un module, maintenant, comment est-ce qu'on euh, le diffuse et comment est-ce qu'on le publie Eh bien, tout simplement, ce module, il va falloir l'ajouter à un parcours. Un parcours de formation, tout simplement, c'est un groupe de modules. Euh, alors, même si on veut diffuser qu'un seul module à ses apprenants, il faudra quand même euh, l'associer enfin, à un parcours. Donc, tout ça se fait dans la bibliothèque. Hein, D'accord Dans la bibliothèque, vous avez vos modules et vous voyez ici, vous avez vos parcours. Vous cliquez sur Parcours. Et à partir de là, en cliquant sur le bouton plus, vous allez pouvoir définir quel module vous allez ajouter à ce parcours de formation. Là, je n'en ai qu'un seul, mais quand vous en avez plusieurs, vous pouvez définir l'ordre, bien entendu, dans lequel l'apprenant va devoir prendre les modules. Voilà. Donc, j'ai déjà créé un parcours pour mon module. Le parcours est fait, c'est simplement une collection, un ensemble de modules. Maintenant, il faut que je le diffuse à mes apprenants. D'accord Donc, je vais dans Planification. Et je vais créer ce que l'on appelle une session. Du coup, une session, on va combiner en fait le parcours, les apprenants, et on va définir une date de mise à disposition. Donc là, j'ai un, un test, hein, 2020 Customer Success Manager. Je vais vous montrer directement en cliquant sur plus, hein, comme si j'en faisais une nouvelle. Donc le nom de la session, on va dire euh, test. Hein. Euh, on définit les groupes d'utilisateurs à qui on va diffuser ce contenu de formation. Le responsable, c'est la personne, en fait, en interne qui va être notifiée de tout le suivi, on va dire, de la, de la formation. En général, c'est l'administrateur, bien entendu, de votre organe MIL. Donc, je pense qu'en majorité, ce sera vous. Et le parcours, bien entendu, que l'on veut diffuser aux apprenants. On peut choisir une date. Alors, la date de début est bien évidemment obligatoire. Et on peut aussi définir une date de fin pour cette session. Ce qui veut dire que les apprenants auront accès à ce module-là du 8 au 25. D'accord je clique sur annuler puisque j'ai déjà une session en cours euh, et je vais vous montrer bah, tout simplement ce que ça donne en, en mode apprenant. D'accord Donc je vais sur mon profil. Donc ça, c'est vraiment vous en tant qu'administrateur d'Edmil, ce que vous pouvez voir. Donc vous cliquez sur votre profil, vous allez en mode apprenant et ça, c'est typiquement ce qu'un apprenant aura. Donc quand vous diffusez le module de formation à vos apprenants, lui, quand il va se connecter à Edmil, c'est ce qu'il aura. Il sera sur ce profil-là. Et à partir de là, il va voir tous les modules qui lui sont assignés, tous les parcours qui lui sont assignés. Et il y aura ici en haut à droite d'afficher le module. J'ai envie de dire qu'il doit prendre le plus rapidement possible. S'il a une liste de 10 modules, on va lui afficher par lequel il doit commencer ici. Donc, je clique sur commencer. Et là, on va voir vraiment l'expérience, j'ai envie de dire, bah, l'expérience apprenant. Donc voici son module. Il a toutes les indications. Je vais peut-être reprendre quand même la page de départ. Mais comme je l'ai commencé, voilà. juste pour faire un petit point quand même sur les informations qu'il y a. On a la description, on a le score pour pouvoir valider le module qui s'affiche. On a le temps prévisionnel. Tout ça, ça se définit dans l'outil auteur. Je ne l'ai pas montré, mais si vous voulez après, je vais le montrer. Et on a les, les, les dates d'accès. Donc je vais commencer le module. Et à partir de là, vous voyez donc chaque diapositive que vous voyez là, ce sont des activités. Donc, vous voyez, ça c'est l'activité que j'ai eue tout à l'heure, texte en accordéon. Cette fois-ci, ça paraît un petit peu plus propre quand même. Ici, on a des images qu'on peut défiler de cette manière là si on est sur un mobile ou simplement en cliquant sur les flèches. Et là, je vais simplement vous faire un. Alors, je vais peut-être continuer là-dessus. Euh, on va mettre n'importe quoi. Ce n'est pas grave si on échoue. Voilà, donc on a les messages d'erreur qu'on a définis dans l'outil auteur. Je vais terminer. Donc, je vais simplement rester sur cette image-là, cette image-là, pardon, euh, le pont. Euh, on est sur l'activité 5 sur 14, et je vais fermer mon module en tant qu'apprenant. Et Edmil, en fait, va enregistrer ma progression. Vous voyez, je suis à 29%. Et si, en tant qu'apprenant, je ferme tout, je pars, je peux reprendre, en fait, là où je me suis arrêté. Et non seulement je peux reprendre sur... L'ordinateur, mais je peux reprendre aussi sur mon mobile. Donc, sur le mobile, tout simplement, il suffit d'ouvrir Google Chrome et d'aller sur Edmil.com en tant qu'apprenant. Bon, là, j'ai créé un raccourci que je vais ouvrir. Et l'apprenant, lui, va avoir une interface mobile par défaut. Vous n'avez pas, en fait, à créer euh, des modules spécifiques pour mobile. Pour mobile. Edmil le fait, le fait de lui-même. Et là, en venant sur mon mobile, je peux cliquer sur continuer et reprendre là où je me suis arrêté. Donc, vous allez voir, je vais reprendre le module. Normalement, je vais reprendre sur le pont. Voilà, c'est ça, le pont, activité 5 sur 14. Voilà, et je reprends exactement là où je me suis arrêté en tant qu'apprenant. Je peux reprendre maintenant, je peux reprendre demain, je peux reprendre dans une semaine. Je reprends toujours là où je me suis arrêté. Voilà, donc ça, c'est pour la petite démonstration sur euh, mobile. Voilà, donc ça c'est la partie apprenant. Je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin de, de s'étendre plus que ça dessus. Euh, je vais quitter le mode apprenant et revenir sur Edmil. Euh, si vous vous posez la question euh, pourquoi mon menu sur la gauche est passé comme ça, tout simplement en fait on peut le plier, et le déplier hein, pour pouvoir se focaliser entièrement sur la page. Donc par exemple quand on est en mode création, euh, je l'ai pas fait tout à l'heure, mais quand on est dans l'outil auteur, c'est pas mal de fermer comme ça pour pouvoir pour avoir plus d'espace, on va dire, sur, sur la création de son contenu. Euh, donc juste un petit détail. Euh, c'est les apprenants. Parce que je vous ai montré comment diffuser, je vous ai montré comment créer un module, etc. Mais je n'ai pas montré en fait comment est-ce qu'on euh, crée des apprenants. Donc on va dans Administration. Et à partir de là, c'est là qu'on va créer ces, ces apprenants, les comptes des apprenants. Donc là, je n'en ai pas. On peut les créer à la volée, un par un. D'accord? Donc on met le nom, le prénom, la fonction, etc. Ou sinon, on peut les uploader en masse. Donc pour cela, on clique sur le nuage avec la flèche vers le haut et vous avez un modèle de fichier Excel qu'il faut télécharger, que vous remplissez et à partir de là vous pouvez l'importer dans EnMIL. et ce que ça va faire en fait c'est que ça va créer en une seule fois grâce à ce fichier Excel des dizaines des centaines, ça dépend de, de ce dont vous avez besoin de profils apprenants une fois que ces apprenants sont créés on peut les grouper et il faut même les grouper j'ai envie de dire donc toujours dans l'administration vous allez dans l'onglet groupe et à partir de là vous pouvez créer votre groupe en sélectionnant les membres le responsable du groupe, excusez-moi, et le nom du groupe. Et en fait, vos formations, vous allez les diffuser à ces groupes d'utilisateurs-là. Voilà. Donc là, on a vu la partie, j'ai envie de dire, création. On a vu la partie diffusion. On a vu aussi cette partie apprenant, que ce soit sur PC ou sur mobile, et puis cette continuité qu'il peut y avoir cross plateforme, j'ai envie de dire. Maintenant, j'ai envie de vous montrer un peu la partie statistique. D'accord euh, La partie statistique, euh, je sais que ça fait quand même beaucoup d'informations à, à retenir pour, pour beaucoup, euh, mais la partie statistique, elle est vraiment très puissante pour peu que l'on sache euh, bien la prendre en main et naviguer. Euh, cette partie statistique, on va commencer, on est directement sur le tableau de bord apprenant. Le tableau de bord apprenant, c'est ce qui va vous permettre de voir, j'ai envie de dire, ce que vos apprenants ont fait dans les formations. C'est vraiment le suivi de vos apprenants dans ce cas-là. Donc, quand vous arrivez dessus, vous avez des stats qui sont très globales. Vous avez tous les apprenants, vous avez toutes les formations, tous les modules que vous avez pu faire depuis le début de, de l'existence d'Edmil chez vous. Donc, ça devient très puissant à partir du moment où on utilise les filtres. Pour utiliser les filtres, vous allez en haut à droite, vous avez ce qu'on appelle un petit menu comme ça avec les barres horizontales. Vous cliquez dessus, ce menu de filtre, et vous allez pouvoir vraiment filtrer de manière très granulaire sur des résultats très précis. Donc, au niveau de vue, vous allez pouvoir sélectionner un groupe d'utilisateurs ou même un utilisateur particulier. Je vais me sélectionner moi. D'accord? Hop. Et vous allez pouvoir définir sur un module en particulier, sur un parcours en particulier ou une session en particulier, euh, les résultats. Donc je vais prendre, moi, sur la session là, que, que j'ai eue. Alors peut-être pas cette session-là, non, pardon, je vais prendre plutôt sur un module. Je vais prendre sur Customer Success Manager Kesako, donc le module que je vous ai présenté tout à l'heure. Et je vais valider. Et là, du coup, on peut voir les résultats qui sont liés à la session que j'ai pris tout à l'heure. Donc je ne l'ai pas terminée tout à l'heure, je ne l'ai pas terminée. Euh, les résultats que vous avez en fait sont ceux d'une session que j'ai fait euh, il y a deux semaines si je ne dis pas bêtise. Donc je peux filtrer. Il me semble que c'était le 25 que j'avais terminé la session. Voilà, je valide. Et là donc j'ai des résultats de la session que j'ai pris vraiment le jour du 25 sur ce module-là en particulier pour moi. Et là on peut voir. Bah, le taux de satisfaction, donc la satisfaction, en fait, ce sont les réponses au sondage de satisfaction qui s'affiche en fin de module. On a la complétude, hein, et on a, bien entendu, la réussite, donc ce sont les réponses aux questions de type évaluation. Puisque, comme vous avez vu dans l'outil auteur, vous avez des exercices, mais vous avez aussi des évaluations. Les exercices, on ne compte pas dans la réussite, bien entendu, c'est normal, c'est un exercice. L'idée, c'est de pratiquer, de prendre la main. Euh, sur l'évaluation, par contre, bien entendu, ça compte pour le score euh, du module. Donc là, j'ai le score qui s'affiche. Et j'ai aussi quelque chose d'un petit peu novateur qui est la répartition des efforts. Donc en fait, Edmil est basé sur une technologie que beaucoup connaissent qui est l'XAPI. Et du coup, ça permet de récolter énormément d'informations et de données. J'ai envie de dire quasiment au clic. Et du coup, on va pouvoir sortir des informations vraiment très précises sur la répartition des efforts. Donc là, on voit que le 25 mars sur ce module-là. J'ai passé 28% de mon temps à prendre de l'information, ça veut dire lire en fait le module, je ne clique pas. J'ai passé 52% de mon temps à interagir, c'est-à-dire à cliquer sur terminer, euh, à faire défiler du contenu, euh, à choisir des réponses à des QCM ou des choses comme ça. Ça, c'est les interactions. Et la lecture des, des, des retours, c'est tous les feedbacks qu'on a vus. Par exemple, si je réponds à un questionnaire, à un QCM, et que je clique sur valider, c'est le message qui va me dire euh, Voilà, bonne réponse, bravo, ou le message qui va me dire non, ce n'est pas la bonne réponse, on attendait autre chose pour voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le feedback. La lecture des retours. Donc ça, c'est vraiment, je voulais montrer le niveau de, de granularité euh, auquel on pouvait aller. L'autre point, c'est le pilotage pédagogique que je voudrais, euh, que je voudrais montrer. Euh, ce pilotage pédagogique en fait, va vous permettre de communiquer j'ai envie de dire, avec vos apprenants. L'idée, c'est de communiquer avec eux de manière très simple, vraiment en un clic, sans que vous ayez à faire des rapports et, et à écrire des mails et à faire des listes de mails, etc. Ici, vraiment, on a défini trois types d'alertes majoritaires. Euh, les premiers, c'est les retards le deuxième, c'est les démarrages en trombe et le troisième, c'est la complétion de modules. Et l'idée, en fait, c'est simplement en un clic de pouvoir communiquer avec ses euh, avec apprenants. Donc là, j'ai choisi Mansour kiwa comme apprenant. On a toujours la possibilité d'utiliser des filtres hein, sur le module Customer Success Manager ZACO. et je peux voir, donc en démarrage en trombe, que Mansour kiwa a été le premier à se lancer dans le module que je leur ai dit que j'ai diffusé à ce groupe d'apprenants. Je clique simplement ici dans la case à cocher et je peux cliquer sur Féliciter. Et quand je clique sur Féliciter, en fait, ça envoie un mail automatiquement à l'apprenant. Donc, si je vais dans mes mails, je vais rafraîchir pour l'avoir voir directement. Voilà. Quand je vais dans mes mails, eh ben, tout simplement, j'ai une notification d'Enmile qui me félicite. L'objectif, voilà. c'est vraiment de vous aider au maximum, j'ai envie de dire, euh, au quotidien. Voilà, donc ça c'était pour la partie analyse. Je me rends compte que j'ai beaucoup parlé que je me suis peut-être laissé emporter. Je vois qu'Alban répond à énormément de questions. Donc ça, c'est vraiment, vraiment parfait. Euh, je vous remercie en tout cas. Il y a beaucoup beaucoup d'activités. Euh, continuez à, à partager vos retours, continuez à, 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 donner, à donner des, 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 des informations. Euh, en tout cas, je vais juste... Pardonnez-moi. Je vais juste regarder les questions-réponses parce que là, j'en vois, vois une. Euh, c'est Sophie euh, qui me demande si c'est possible d'intégrer des fichiers PowerPoint. Intégrer des fichiers PowerPoint à l'heure actuelle, ce n'est pas possible, mais <laughs> c'est un mais qui est très important. Ce sera possible dans les prochaines semaines, puisque là, on est en train de travailler sur une nouvelle fonctionnalité qui est, franchement, j'ai vraiment hâte de vous la présenter. Je pense que ça va faire l'objet d'un joli webinar. Euh, il y aura pas mal de nouvelles fonctionnalités en tout cas. Euh, et l'une d'elles, justement, c'est la possibilité d'associer des fichiers à vos modules. Euh, donc, j'ai envie de dire, stay tuned, ça va arriver dans, dans vraiment pas longtemps. J'ai une autre question de Jérémy. Euh, si j'ai créé des pages sur un module et que je veux les mettre dans un autre module, comment faire Ah, alors c'est une très bonne question. Donc, l'idée en fait, ce serait de, de, de sauvegarder, j'ai envie de dire, une activité ou un lot d'activités pour, pour pourquoi pas le, le réutiliser. Euh, alors, on est en train de travailler justement là pour l'instant, c'est pas, pas disponible. Euh, là, par contre, ce sera probablement pas dans les, dans les prochaines semaines, mais on est en train d'élaborer, on va dire, et d'évaluer la possibilité de, de dupliquer euh, les modules. Voilà. Donc, ça permettra en fait d'avoir un module j'ai envie de dire modèle, et pourquoi pas de le dupliquer, de le cloner très facilement pour pouvoir reprendre la base et reprendre les activités euh, qui durent. Voilà. Euh, je vous invite vraiment à, à poser vos questions voilà, à tous les conférenciers et, 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 à, toutes, euh, et à, tous les, à tous les conférenciers à tous les participants. J'ai une question de Dominique qui me demande si les tarifs vont augmenter notablement à chaque incrémentation de nouvelles possibilités. Euh, là, dans l'immédiat, enfin, il va y avoir le, le, le fichier PowerPoint qui va être disponible. Euh, à partir du moment, enfin bien entendu, ça je ne veux pas m'avancer, mais je pense que ce sera disponible que sur la version payante et pas sur la version gratuite, euh, à confirmer bien entendu hein, sur, ce que, sur ce que je dis. Pour l'instant, il n'y a pas de hausse de prix en tout cas de, de prévu à partir du moment où on rajoute des fonctionnalités. Euh, y a-t-il un forum entre... Alors, question de Hervé. Euh, forum entre apprenants, possibilité de casser 20 apprenants en trois sous-groupes pour des activités entre eux. Euh, sous-groupe avec chacun sa salle de travail et son forum pour ce sous-groupe. Ah, je comprends euh, ce que vous voulez dire. Alors là, pour l'instant, Enemy a été vraiment développé, Hervé, euh, dans l'idée de e-learning à volonté où l'apprenant vient et qu'on... Et... J'ai envie de dire, consulte et suit son module au moment le plus opportun pour lui. Euh, pour l'instant, Edmil n'a pas été développé dans, une, dans, une, dans un objectif de classe virtuelle euh, et, de, et de suivi du module en live. Donc, du coup, ces fonctionnalités-là, de créer des sous-groupes avec des forums et des chats, euh, ce n'est pas dans Edmil. Mais bon, après, pour les personnes les plus créatives, je suis sûr qu'elles sauront utiliser Edmil avec un, un outil tierce euh, qui, qui fait ce genre de choses. Par contre, ce ne sera pas dans Enmille, mais ce sera dans, dans l'outil Tierce. Olivier, euh, bonjour Olivier, merci pour la question. J'ai raté quelque chose au début de la présentation. On parlait de photos, textes, vidéos et autres. Euh, dans la conception, effectivement. Je vais simplement rouvrir le petit menu latéral. On va aller dans euh, création, savoir conceptuel. Je vais vous montrer l'outil l'outil auteur. Euh, je vais désactiver le mode accompagné d'ailleurs, comme ça vous allez pouvoir voir ce à quoi ressemble un module sans chapitre Donc vous voyez, il y a, il y a zéro chapitre. Je clique sur enregistrer et continuer. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la configuration du module. Là, je suis dans l'outil de création. J'ouvre le chapitre Mes activités, ajouter. Et effectivement, voilà, c'est sur les activités. Donc vous pouvez définir une activité de type. Informé. Vous pouvez choisir une activité qui soit une image narrative. Donc, image narrative, je ne sais pas si vous l'aviez vu tout à l'heure dans ma démo du mode apprenant, mais image narrative, en fait, c'est une série d'images pour raconter quelque chose, bien évidemment. Tout est dans le titre. Euh, image graphique, donc ça, c'est une seule image. Audio, on peut mettre une bande audio. Euh, une vidéo. Alors, tout ce qui est vidéo, audio, c'est limité à 100 MO hein, pour chaque activité. Euh, et puis après, il y a du texte seul et du texte en activité. Mais effectivement, oui, euh, on peut avoir des activités de type audio et vidéo et images. Euh, question d'Aurélie pouvez-vous confirmer qu'un abonnement mensuel est possible Y a-t-il un engagement minimal Effectivement, euh, lorsque vous allez sur edmil.com, allons-y ensemble vous avez tous les détails. Hein. On, est, euh... on est très transparent là-dessus il n'y a aucun secret. Donc vous allez dans offre, tarification sur n et vous allez pouvoir définir, voir en fait tous nos tarifs euh, et puis euh, la manière dont c'est fait. Donc, vous avez un engagement annuel ou un engagement mensuel. Si vous prenez mensuel, effectivement, vous pouvez arrêter votre abonnement à n'importe quel moment. Euh, c'est à 98 euros hors taxe euh, par mois. Euh, sinon, euh, en mode annuel, c'est dégressif et il y a une économie en fait de 20% qui s'opère. Et là, on est à 60, 78 euros par mois Hors Taxe et ça donne accès bien évidemment à, à, à l'outil de créa, à la diffusion, à l'analyse, à tout ça. C'est vraiment euh, un package euh, tout en un. Donc, ça répond du coup à la question de Sophie hein, par rapport au, au tarifs. En tout cas, si vous n'avez pas de compte gratuit dans l'immédiat, bah, je vous invite euh, vraiment à, à créer, euh, à créer un, compte, euh, un compte gratuit. Ça vous permettra de, de vous faire la main. Puis après vous pourrez voir s'il faut passer sur du, sur du professionnel ou sur une offre personnalisée pour ceux qui ont une, une utilisation plus intense j'ai envie de dire. Il est 11h39. Il est 11h39, effectivement. J'avais dit qu'on allait jusqu'à 11h40. Euh, ce qu'on va faire, c'est que là, on a, on a encore quelques, quelques questions. Je vais continuer à, à y répondre. Euh, je vais dépasser un petit peu si ça, si ça ne vous dérange pas. Euh, simplement, je vais juste revenir à ma présentation pour faire le point par rapport à ce qui arrive. Alban continue à, à répondre aux, aux questions, bien entendu, euh, dans le chat. Pour cela, surtout, envoyez vos messages à tous les conférenciers et à tous les participants pour qu'ils puissent le voir. Euh, simplement, les rendez-vous qui arrivent. Euh, vous pouvez nous contacter dans Enmil directement par téléphone. Euh, il ne me semble pas l'avoir euh, montré, euh, mais en bas de la page d'accueil de la page... Euh de la, de la première page qui s'affiche pardon de votre tableau de bord voilà je cherchais le terme du tableau de bord quand on se connecte à Edmil tout en bas vous avez des petites cartes et une de ces cartes c'est nous contacter par téléphone vous avez la possibilité d'être rappelé immédiatement donc n'hésitez pas à utiliser cette fonctionnalité là dans Edmil pour pouvoir être rappelé par un expert euh, prochain rendez-vous on aura un webinar numéro 5 euh, qui sera donc du même format que celui-ci dans deux semaines euh, sachez aussi que de toute façon celui-ci est enregistré vous allez pouvoir recevoir le lien de, dans les prochaines heures, euh, vous avez euh, une newsletter qui s'appelle Aidmill numéro 3 qui sera envoyée dans le courant du mois. Euh, C'est le meilleur moyen, j'ai envie de dire, de se tenir informé bah, des nouvelles fonctionnalités et des choses sur lesquelles on travaille. Puis bien entendu, n'hésitez pas à aller dans le portail d'aide euh, qui est dans l'écosystème, dans AED1000 C'est le point d'interrogation en bas à gauche. Voilà. Je vais rester un petit peu plus longtemps pour ceux qui ont des questions supplémentaires. Je vais rester, on va dire, 5 minutes jusqu'à 11h45. Alban aussi est là, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Et quoi qu'il en soit, si on n'a pas pu répondre à vos questions, on va les, les enregistrer et on reviendra vers vous pour pouvoir y répondre après ce webinar. Voilà. Pour ceux qui nous quittent, je vous remercie encore pour votre attention. Je vous dis à très bientôt et, et je vous souhaite une bonne aventure sur Edmil.